trois routines pour avoir un mental d'un athlète de haut niveau. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage égalisé que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et également, avant d'aller plus loin, pensez à mettre un pouce, à vous abonner pour être sûr de recevoir toutes les vidéos. Et regardez dans les commentaires, vous pouvez aussi accéder à un entretien découverte avec un coach de mon équipe. Trois routines pour avoir un mental de sportif de haut niveau. C'est une question que l'on m'a posée, mais Pierre, les athlètes de haut niveau, ils font comment pour être toujours au top comme ça? Alors déjà, un, c'est de voir que, non, ils sont pas toujours au top, mais vous les percevez au top du top et ils sont comme tout, ils vont performer dans ce qui est réellement important pour eux, moins performer dans d'autres domaines de vie. En tout cas, le fond derrière la forme à comprendre, c'est que pour voir leur niveau de performance, eh bien, ils définissent plusieurs points. Un, le premier point, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ok, ils savent exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que bah voilà, je veux être champion du monde par exemple, bah ça je sais ce que je veux et je vais tout mettre en place pour y aller. Ce qui emmène sur le second point qui est, ils sont ok avec le prix à payer, d'accord? C'est-à-dire que si tu leur montres tous les inconvénients à leur objectif, bien ils sont prêts à payer le prix. Et beaucoup de gens veulent avoir les bénéfices d'un objectif, mais ils veulent pas les inconvénients. Et du coup, ils sont dans un fantasme. Dès que tu veux une polarité de quelque chose sans l'autre, si tu veux par exemple être champion du monde, mais tu t'entraînes que deux fois par semaine, bah ça va être difficile. Et donc ça, c'est vraiment important. Un mental, un sportif de haut niveau, il paye le prix des sacrifices. Il est prêt à être seul le soir. Il est prêt à avoir peu d'amis. Il est prêt à s'entraîner beaucoup quand d'autres vont sortir. Tout ça, ce n'est ni mieux ni moins bien que quelqu'un d'autre, c'est juste le choix qu'ils font par rapport à leurs priorités intrinsèques. Ensuite, ils vont se dépolluer du regard des autres. C'est-à-dire quand on voit vraiment ceux qui n'ont aucun blocage et qui sont premiers, bah, c'est facile pour eux de dire bah, « cette année, je vais être champion du monde ». Et si quelqu'un vient les voir en disant wow, « bah, attends, mais t'es qui pour dire ça? C'est arrogant de dire ça bah, ». Ils vont se dire bah, « en fait, ça leur vient même pas à l'esprit de réagir face à ça, ils sont concentrés sur ce qu'ils veulent, ça les perturbe pas et point barre ». Donc c'est vraiment important de se dépolluer du regard des autres parce que constamment, il y a les autres qui vont essayer de vous mettre dans leurs normes par rapport à « c'est bien de faire ça et c'est mal de faire ça ». Mais ce concept de « c'est bien, c'est mal », c'est réservé à un seul individu par rapport à un espace-temps donné. Donc soit on accepte les normes des autres, soit on crée avec nos propres normes. Et les sportifs de haut niveau vont créer avec leurs propres normes, peu importe ce que les autres veulent penser. Et enfin, le dernier point, c'est cette capacité à voir à long terme, d'avoir cet objectif en tête, d'avoir ce telos en tête et de se dire « bah là, non, en fait, là aujourd'hui, ce sera du plaisir immédiat, donc là, je le fais pas parce que je sais que ça sert pas à mon objectif. » Et d'être en même temps capable, donc les sportifs de haut niveau qui sont plutôt en bonne santé aussi mentale, ils vont être capables de se dire « ok, là, je peux aujourd'hui profiter et me relâcher parce que je vois que l'échéance est longue et si je m'entraînais aujourd'hui, ce serait même contre-productif. » Donc, le repos fait partie de l'entraînement. Donc là, je choisis de me reposer en conscience ici parce que je sais que sur le long terme, eh bien, ça va être bon. En revanche, je suis capable aussi de me dire « ah ben non, là, la compétition qu'on me propose par rapport à mon objectif à long terme, eh bien, elle n'est pas juste, elle n'est pas bonne. » Et du coup, je vais me recentrer sur le long terme pour pouvoir faire des bons choix. Donc voilà, pour résumer, un, le sportif de haut niveau, il sait ce qu'il veut, il est prêt à payer le prix des sacrifices qui vont avec. Deux, il va se dépolluer du regard des autres et c'est pas les autres qui lui disent ce qu'il a envie de faire, mais c'est lui qui décide ce qu'il a envie de faire et si c'est bien ou si c'est mal de faire ça. Et trois, enfin, il va être capable de voir à long terme et de sacrifier le court terme au profit du long terme. Voilà, rien qu'en faisant ça, déjà, ça vous met dans un état d'esprit d'un athlète de haut niveau. Et encore une fois, c'est ni mieux ni moins bien que quelqu'un d'autre. C'est comment pense et agit un athlète de haut niveau. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à la commenter, pensez à la partager. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, prenez un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous où on verra le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous voulez aller et ce qui vous empêche pour passer du point A au point B et surtout bah, comment aller au point B le plus rapidement possible. Et aussi, vous pouvez simplement commencer par le livre « L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé » que vous retrouverez dans les commentaires. Sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao !